Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche matin. Je me suis levée il n'y a pas super longtemps et j'en ai profité pour me faire un masque pour les cheveux. C'est à base d'huile de coco. C'est vrai que c'est assez efficace comme produit. Si j'ai le temps, je me ferai un masque visage aussi. Ce matin, ou cette nuit, je ne sais pas trop, j'ai passé le cap des 10 000 abonnés. Ça fait vraiment super plaisir. Je vois bien, depuis que je fais du daily vlog, ça doit faire 2 mois. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre de façon régulière et ça m'encourage énormément. Donc un grand merci à vous encore. Et là, je vais aller prendre ma douche, rincer tout ça et puis on se retrouve juste après. Je sors de la douche et voilà ce que je trouve sur mon lit. Mais ouais, un baby Jack qui squatte. Ça y est, je suis prête. J'aime pas du tout mes cheveux quand ils viennent d'être lavés. Plus j'ai testé un mouvement avec mon fer à lisser, ouais, c'est pas une réussite. Ouais, c'est pas bien grave. Ils sont plus jolis le lendemain en général. Il me semble que aujourd'hui, même si c'est dimanche, le premier dimanche des soldes, il y a certains magasins ouverts. On va aller voir, je pense, avec Eric. On va faire un petit tour. Je suis en train de me faire chauffer le reste de tarte que j'ai mangé hier. Petite tarte chèvre épinard. C'est super bon. Je suis en train de regarder le tableau là. S'il te plaît, Jackie. Je pense qu'il faut que j'efface un petit peu dépasser tout ça. Je suis embêtée. Demain, j'ai rendez-vous pour ma rééducation orthoptique. Ouais, ça. Et je sais plus, j'ai perdu en fait la fiche avec l'heure du rendez-vous. Je sais que c'est le matin. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut qu'à 9 h je sois prête. J'appelle et si on me dit 9 h, je prends ma voiture, j'y vais. Je pense qu'il est à pied et sinon, j'irai après. Dans tous les cas, j'appréhende vachement parce que la dernière fois, ça m'a fait 2 jours de migraine, mais bon, comme vous avez dit, derrière l'œil, enfin, hyper handicapant. Voilà, donc j'ai pas envie que ça recommence. Je vais le faire et je verrai. Hein. Franchement, si ça me le fait encore, non, j'arrête. C'est hyper pénible en fait. Miam! L'ancien militant italien d'extrême gauche a été interpellé en Bolivie cette nuit par la police. Où il se trouvait depuis 2004, il sera ensuite extradé vers l'Italie. Bah où en fait? Où il a été jugé par contumace dans les années 70 pour 80. Fouille d'abord, on va voir des cats. Anne Vigna, vous êtes opposée pour France Info justement. Non, 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 David. C'est ouvert tous les dimanches. Non, non, je crois pas que la halle soit ouverte le dimanche. Oh là là, regardez, cette paire c'est pour enfants, mais c'est ce que j'aime. Ah, t'en as trouvé? Tu l'as trouvé à ma taille celle-là? 36? 36, 37, ça dépend. Ah, oh, elles sont trop choupies. Je vais essayer. Bon, on est sur un pied d'enfant. Je pense qu'au niveau de la longueur, ça l'aurait fait, mais pas au niveau de là. C'est trop juste. Oh, c'est dommage. Vous avez vu, c'est un petit peu les imitations des Hugs, mais vu le prix des Hugs, oh, c'est dommage. Après, on a celle-là en camelle. Bon, je sais pas. Parce que là, c'est plutôt la chaussure pour mettre à l'intérieur. Hein. Tu sors avec ça ou pas? Ça fait plus chausson, non? Après, elles sont pas chères, hein, 17 €, ça va. Mais quand même. En fait, la taille enfant, elle est bien au niveau de la longueur, mais tu peux pas rentrer dedans parce que c'est adapté pour un pied d'enfant, donc je rentre pas dedans. J'en ai vu d'autres, mais c'est plus des modèles, j'ai l'impression de. Tu restes chez toi, quoi. Moi, j'ai envie de sortir avec. Eh ben non, elles sont hyper désagréables. Ouais, c'est pas grave. Non, pourtant, c'est ma taille. Hein. Mais elle sert de partout. Je m'attendais à un truc, toi, vu la forme, je m'attendais à ce qu'elle soit limite plus confort. Plus confort. Et elles ne le sont pas du tout. Il est sympa ce modèle. Mais dernière paire, 38. 70% quand même de 39 €. Oh, je suis dégoûtée parce que j'ai trouvé super sympa. C'est même pas du 38. Hein. Je me disais, je nage vraiment dedans, c'est du 39. Elles sont bien sympas. Donc quelqu'un qui fait du 39. Ça vaut carrément le coup, quoi. 70%, genre 10 € les chaussures. Non, mais regardez, il m'a dit, et c'est ça, pour voir. Ça, c'est comme les lunettes. Non, mais t'es sérieux quand tu me donnes ça? Et il pense que ça va m'aller. Ouais. Non, non, j'essaye. Non, j'essaye. Ouais. Ah, j'essaye. Ouais. Non, mais c'est horrible. Ouais, c'est ce qui t'aime mieux. Mais pas du tout. Par rapport à ta morphologie, si. Allez, foire fouille. Tu me laisses quand même regarder vite fait? Les petits meubles. Vas-y, moi pendant ce temps-là, je cherche mes trucs. Ok. Alors, moi, je sais exactement ce que je cherche. Je cherche une immense glace que je mettrai, vous savez, dans la pièce. J'en ai une blanche, mais beaucoup, beaucoup trop étroite. Et j'en cherche. Et tant qu'à faire, s'il y en a une bien soldée, ça peut le faire. Oh, j'aimerais beaucoup, mais bon. Je sais que j'en avais vu une ici une fois. Très, très belle, mais elle était quand même chère. C'est quand même très mignon, ce petit tabouret dans une chambre de petite fille. Il est très original, je trouve. Il est beau celui-là.
Il est beau et il est... Ah ouais, d'accord. Il y a celui-là aussi, mais pareil. Au niveau largeur, c'est parfait. C'est pas mal, je veux dire. Et ouais, il manque en hauteur, quoi. Alors au final, je les ai prises. Voilà. Ouais, ils sont sympas, 17 euros. C'est vrai que même si je veux aller vite en ville, chercher un truc ou quoi, c'est pratique. Je suis vraiment en grosse réflexion. Vous voyez, c'est celui-là qui est beaucoup trop petit. Mais le 4, j'ai un coup de cœur. En plus, ça rentrait pile poil. Je sais pas, donc j'ai négocié, mais il peut pas le baisser encore plus. C'est une très très belle glace, hein. Mais ouais, ça pourrait m'être quand même pas mal utile pour des visuels, des vidéos, photos. Et puis tout simplement parce que c'est très très joli. Eric vient de me dire, allez hop, viens, on y va, on va chercher le miroir. Je suis trop contente. C'est bon, on prend le miroir. J'ai essayé de négocier, hein. Non, mais déjà, il est bien baissé. Autant sur des produits, je peux me permettre de redescendre un petit peu. Mais ce produit-là, je regarde le miroir, il se paraît... C'est bien, c'est bien de faire, regarde. Voilà déjà ce que le carton donne, posé au sol. Impressionnant. Le prix reste quand même assez intéressant. C'est quand même très, très, très beau produit. Et voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut le fixer au mur et le poser au sol. Moi, en l'occurrence... Déjà, t'as faim ? Moi, c'était... Voilà, c'est de le poser au sol. Voilà. On en parle de la beauté de l'objet. Je l'aime tellement. C'est vraiment le miroir de mes rêves. Voilà. Donc, je le laisse ici. Ça peut se moduler, hein. Je sais pas encore, je peux bouger les meubles. Vous voyez, là, on voit vraiment de plein pied et ça reste large, hein, de chaque côté. La hauteur, pareil, ça coupe pas la tête. Oh, je suis trop contente. Là, vraiment, mes achats soldes, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, on peut s'approcher, faire des... Pff, c'est génial. Comme j'ai dit, je vais aller lui chercher son petit goûter. Il est quoi ? Il doit être 5 heures. Il y a un truc que je vais faire en rentrant. Je vais aller sur le site de Maison du Monde, je vais regarder les miroirs, les plus ressemblants, avec les dimensions, et je vais voir un peu les tarifs. Peut-être pour me donner bonne conscience, je sais pas, mais je peux avoir des surprises. Et vous savez quoi? Si jamais je trouve à la boulangerie un dessert à base de chantilly, du chocolat, ben je crois que je m'en prendrai un. En même temps, j'ai dit que je pouvais craquer une fois par mois ou tous les deux mois. Enfin, voilà, faut que... Sinon après, là le coup au moral. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose. Alors moi j'ai rien pris, j'ai pris deux beaux stocks en fait pour Eric. Là où je me trouve, c'est là où il y avait la patinoire. Alors ça va être beau stock pour papa et croquettes pour Jackie. Tiens, voilà, doucement. Je suis sur le site de Maison du Monde comme je vous disais. Déjà il y a un truc en page d'accueil, c'est bizarre, j'ai vu, vous savez, mon horloge Wake Up qui est là-haut d'ailleurs, en déco. J'ai l'impression qu'il la vend parce qu'on la voit en première de couve. Et on va regarder ensemble, voir s'il n'y a pas les miroirs qui ressemblent un petit peu. Vous voyez ce que je vous dis? C'est exactement le même, avec le même message. Wake up, me up. Ça serait étonnant qu'ils ne le vendent pas s'ils le présentent, mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Alors, on va regarder. Ah, non. Celui-ci est beaucoup plus petit. Ah, ça ressemble, ça. C'est très très joli. D'accord. Quelle est la dimension? Ouais, là. Hauteur 160. Ah ouais, c'est quasiment les mêmes. Quasiment à 20 cm. En plus, on a ça au-dessus, comme ça. Comment ça s'appelle, alcool? Non, je sais plus. Il est très beau, hein, c'est le Joséphine. Voilà, c'est quasiment ça. Ça sent la pizza. Ouais, le dimanche, on aime bien. On se regardera un petit film, bébé, après ou pas alors? Maintenant. Ouais, super. T'as trouvé? Oui. Ça a l'air tellement bon. Il est pas trop choupinou sur son plaid. On a terminé, on a regardé photos de famille, film français. C'est avec il y a Vanessa Paradis, Camille Cotin, j'aime beaucoup. Bacri, mais pff, très plat.
Ouais, pas terrible comme film. Et là, avant de monter, me coucher, je vais regarder, il reste 22 minutes de la série Bodyguard. Après, bah, sera terminé. Vous le voyez là, oh, trop choupinou. Et je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut!